et d'autres. Et aujourd'hui, particulièrement, vous êtes nombreux. Attention à ce centre. Oui, c'est bien joué. Sébastien Allais. Et ouais, but. But pour la Côte d'Ivoire. Sébastien Allais délivre la Côte d'Ivoire ici à Ebimpe. Ah oui. Ah oui, encore sur une phase de jeu qui s'achève par un retrait, comme je le disais tantôt. C'est comme ça qu'ils jouent les Ivoiriens. On savait qu'ils allaient mettre beaucoup de retraits, beaucoup de retraits. Sébastien Allais. On a l'impression qu'il n'a même pas fait d'effort. Non, en fait, ce qu'il fait, c'est que il est un peu dans le désespoir. Il se dit, est-ce que si j'envoie le pied, est-ce que je vais toucher? Il envoie quand même le pied, il le touche. Il le touche. C'est pour ça que c'est un peu difficile. On a une sorte de. On a l'impression que c'était une sorte de désinvolture. Mais c'est bon pour Allaire parce que pour les têtes qu'il loupe tout à l'heure là, c'était mauvais signe. On revoit. Regardez. Il a presque fait juste ce qu'il fallait, mis le pied au moment où il le fallait, là. Et c'est fait. Le pauvre. Et le rebond. Le rebond est très intéressant. Le rebond est très intéressant ici, sur cette reprise de volée. Le rebond est très intéressant. Et la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est le rebond. Le rebond change la trajectoire du ballon. Et la hauteur même du ballon, toute la trajectoire. Et le gardien, il est battu. Parce qu'il est sorti pour anticiper. Mais là, lorsque le ballon frappe, ça change la trajectoire du ballon et il est lobé. 9e but en sélection. C'est important, c'était vraiment important que Allaire le fasse. 9e but en sélection pour Sébastien Allaire. La Côte d'Ivoire qui se fait plaisir chez elle. Ouais, c'était un peu ridicule. Je me souviens de cette défaite 4 buts à 0 face à la Guinée équatoriale. C'était compliqué. Très bonne passe. Très bonne Attention, passe. Déjà le centre. Ouh. Ouh. Zigo. Et Nonga était là. Il a suivi jusqu'au bout. Là qu'elle appelle. L'appel également. Il est magnifique l'appel. Ouais. Il est magnifique. Il y a deux appels. Deux appels. Jonathan Bamba. Qui est... C'est Bamba. Là, il avait senti le coup également, mais. Regardez, ah, ça déchaîne les passions. Il n'y a que le football. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Bamba et son coéquipier font deux appels différents. Un qui tire la défense, Bamba qui prend la profondeur. C'est magnifique. Ah, il n'y aura certainement pas du Fimbu ce soir. Quelques secondes encore. Plus précisément, 32. Et Franck Essier qui harangue les foules ici. Il va recevoir le ballon. Pour bénéficier des quelques secondes. Et voici la République démocratique du Congo. Singo. Wilfried Singo. Qui fait oublier Serge Aurier. Carrément. Valérie, pour la petite histoire, avant le début de la compétition, on ne savait pas qui va être titulaire. Aurier, Singo. Premier match, c'est Singo qui est titulaire. Et c'est fait. La Côte d'Ivoire disputera sa finale. La 33e Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est surprise. Voici une équipe qui a été éliminée. Une équipe qui a été ressuscitée par une victoire marocaine. Exceptionnelle. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui écrivent l'histoire. En route pour un 3e titre. Et c'est pas volé, Billy Outo. Non, c'est pas volé. C'est pas volé. Pas du tout. Pas du tout. Ils viennent après 2015, ils viennent encore à bout de ils parviennent encore à éliminer la RDC à l'étape, la même étape, l'étape des demi-finales. Une bonne équipe ivoirienne, je l'ai vu très bien organisée, moins en difficulté que lorsque face au